Ce soir, nous accueillons une nouvelle exposition à Mirabel avec trois artistes, Véronique de Noyelle, Monsieur Roger Drouin pour des sculptures et Mary Vial pour des tableaux. Et on fait un décrochage d'un artiste peintre, Michel Izzani, et un artiste qui fait de la céramique, Monsieur Bouchon. Donc voilà, on est content d'accueillir ces trois nouveaux artistes. C'est notre troisième exposition depuis l'ouverture de Mirabel et on est fiers que ces artistes nous fassent confiance en tout cas. Eh bien, nous sommes réunis ce soir chez Mirabel, une des meilleures tables du moyen pays niçois et qui en plus est une table gaudoise, pour lancer le festival de jazz, le 19e du nom, qui innove encore cette année avec des expositions d'artistes gaudois ou d'artistes ayant des liens très forts avec la Gaude, pour donner une autre dimension au festival de jazz, pour bien montrer que l'art et la musique ne peuvent faire qu'un seul. Et c'est un endroit que je découvre, ça fait très très longtemps que je ne suis pas venue ici. Je suis ravie d'exposer avec Mary, que je rencontre aussi pour la première fois. Donc l'abstraction, je trouve que ça va très bien avec la musique, parce que finalement c'est une peinture qui est très très spontanée. On n'a pas franchement de... je ne sais pas ce que tu en penses, mais on n'a pas franchement de plan quand on démarre. Donc voilà, moi je suis dans la spontanéité avec la couleur, et toi ? Également dans la spontanéité. J'y vais carrément, je prépare ma toile, je me mets au sol de préférence, mes peintures sont là, les spatules, les couteaux, tout est là. Et il suffit que je prenne une spatule et j'envoie la peinture au hasard, sans réflexion. Il n'y a pas de réflexion exactement. C'est du spontané, on revient au spontané. Et d'un geste large et généreux, je peins une certaine surface. En fait, on est ravis que le festival commence par un autre art qui est la peinture. Ce sont deux arts extrêmement complémentaires. Et d'ailleurs, les deux dames qui sont ici ont exposé également au Sauvoir. On en est très fiers. On joue également sur Matisse. Par contre, on a une très mauvaise nouvelle. Le mardi, c'est complet, c'est pas de réservé. Le samedi, c'est complet aussi. C'est un scoop, c'est de maintenant. C'est Laurent qui vient de faire les décomptes. Alors, c'est avec grand plaisir que je suis parmi vous. Peut-être que mon regard est un peu biaisé parce que je connais plusieurs des artistes qui exposent ce soir. Et ce sont des personnes que j'apprécie beaucoup pour leur personnalité, leur richesse intérieure. Et je pense que si vous regardez bien, ça rejaillit à travers leur travail. Nous ouvrons donc le Festival du Jazz de la Gaude, 19e du nom, avec bien sûr ceux qui sont
les personnages les plus importants, c'est-à-dire Alex et l'ensemble de ses amis. C'est quasiment un spectacle qui pourrait être fait, Alex et ses amis, qui nous a une fois de plus concocté des séances extraordinaires. Je regrette toujours la même chose, c'est que, non pas que l'on soit complet, mais que l'on ne puisse pas avoir des lieux où un grand nombre de personnes pourraient apprécier cet art qui est majeur, mais aussi très très divers. Mais un jour, on y arrivera. Il suffira qu'un mécène verse 500 000 ou 1 million d'euros, et là, nous ferons un maximum de choses. Ce soir, nous sommes dans un lieu qui est vraiment, depuis qu'il a été repris, à la fois un lieu de plaisir, parce qu'on nous offre des moments gustatifs extraordinaires. C'est la Mirabelle avec monsieur et madame Bétis. Ils ont réussi ce que l'on attendait depuis longtemps, à ce que l'on soit satisfait quand on sort. Et puis, comme vous êtes des personnes de qualité, vous considérez qu'on ne va pas s'arrêter à un seul art et vous accueillez des artistes. Alors, déjà, nombre d'artistes ont sévi, que ce soit des sculpteurs, des peintres, le pire d'entre tous, c'est-à-dire Roger Droin, voilà, qui sévit encore ce soir. Et bien, ben, comme vous savez que c'est un être menaçant, j'ai bien été obligé de venir, parce que sinon, il aurait fait la tête, voire pire. Ce soir, nous avons aussi des artistes qui sont connus, comme l'a très bien dit Vanessa Siegel, pour leur personnalité. Et souvent, c'est vrai, on voit ressortir de leurs œuvres ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Mais ça, je vous laisse la liberté de découvrir, parce qu'une œuvre d'art ne demande pas à être expliquée, il faut que vous la ressentiez, et ça sera déjà quelque chose de très bien. Alors voilà, vous avez des personnes intéressantes autour de vous, les élus, une fois qu'ils ont parlé, peuvent s'en aller, le meilleur reste, c'est-à-dire les artistes, ici, notre ami Alex est un véritable artiste, puis surtout, voilà, une fois que la parole s'est éteinte, vous nous oublierez tout, et vous profiterez juste d'un lieu, de nos amis les Bétis, de ce spectacle extraordinaire au travers des œuvres d'art, et puis surtout, de ces 10 jours de jazz. J'espère qu'un jour, on parlera de la Gaude comme un lieu fondateur en matière de jazz, même si ça l'est déjà, et je pense qu'on a encore du travail. Donc, pour les 30 ans qui viennent, cher Alex, je te demande de faire un petit effort pour que la Gaude devienne vraiment, le temple du jazz. Voilà, la Gaude, c'est aussi le pays de la culture, de l'art libre et surtout la liberté absolue de penser. Et tant qu'on aura cela, je pense que la France sera un beau pays. Et c'est à vous de garder justement cet espace de liberté en étant bien français, en contestant, en disant le pire et en râlant tant et plus. Mais tant que nous aurons ça en France, je pense que le monde ira bien. Je vous remercie.